Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil qui a un petit peu piqué ma curiosité quand la marque m'a proposé de le recevoir. C'est le Quimsy K2, un clavier mécanique avec une fonction un peu spéciale car il dispose d'un écran intégré juste au-dessus. Ça peut servir à plusieurs choses selon si on y branche un ordinateur ou un smartphone dessus, et je vais vous montrer ça tout de suite car de prime abord, ça peut sembler gadget, mais au final, on peut y trouver une réelle utilité. Pour l'unboxing, le clavier est livré dans une grande boîte noire avec les différentes caractéristiques au dos et comme indiqué, on peut le brancher sur un ordinateur fixe, un ordinateur portable, Windows Mac ou encore un smartphone. À l'intérieur, on a bien entendu le clavier, un support qui permet d'incliner le clavier, une pince pour retirer les touches, un câble USB-C vers USB-C, un manuel d'utilisation, un câble HDMI vers USB et USB-C, une housse de rangement et puis un repose-poignet. Pour le design, le clavier mesure 33 sur 21 sur 3 cm et il pèse environ 1,3 kg. Toute la partie connectique se situe sur le dessus. On a deux ports USB en USB 2.0, un port USB-C, un bouton power et deux boutons pour le volume. Le cadre est en aluminium et ça a l'air plutôt solide. Au dos, on a deux petits supports pour le surélever légèrement et des pads antidérapants. On n'a pas de batterie ou de port pour alimenter le clavier et son écran, ça sera l'appareil que vous allez brancher dessus qui le fera et ça marche aussi de cette façon avec un smartphone. Attention par contre à l'autonomie de celui-ci s'il doit alimenter tout cela en plus. Pour l'écran, il s'agit d'un écran LCD IPS de 12 pouces 6 avec une résolution de 1920 sur 515 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pratiquement aucun délai quand on l'utilise, le format est en 3:1 et les color gamut est à 45%. On va pouvoir configurer différents paramètres pour régler par exemple le contraste, la luminosité, la balance des blancs. Donc il y a des petits paramètres comme ça, mais on ne peut pas rentrer beaucoup dans les détails. Pas énormément de contrôle sur cet écran, mais dans l'idée, il y a quand même pas mal de détails au niveau de l'image. On a suffisamment de luminosité, bon, ça va forcément être utilisé principalement en intérieur, principalement sur son bureau, on va pas forcément se promener avec hein, vu la dimension du truc. Un point en plus c'est que cet écran est tactile, alors ça sera pas aussi agréable qu'un smartphone ou une tablette, mais on peut tout à fait déplacer une fenêtre, appuyer sur un bouton ou ce genre de choses sans trop de délai. Attention par contre au reflet en fonction de votre source de lumière au niveau de votre bureau car on ne peut pas incliner cette partie écran. Ça aurait été intéressant pour pouvoir limiter un petit peu les reflets et améliorer la visibilité quand on est forcément un petit peu plus loin. Pour les touches, celles-ci sont RGB au format QWERTY, mais comme il s'agit de touches mécaniques qui sont remplaçables, on peut très bien racheter des touches pour l'adapter comme on le souhaite et le personnaliser au passage. Le clavier utilise des switches bleus qui sont pas mal bruyants, sur ce point c'est une question de goût. Dans mon cas, je pourrais pas l'utiliser comme ça, vu que la plupart des choses que je fais sur mon ordinateur, bah, c'est pour écrire du texte, donc ça serait pas possible pour ma femme qui dort dans la pièce à côté. Je vous fais une petite démonstration pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Bien entendu, rien n'empêche de remplacer les switches aussi avec des switches marrons par exemple qui font bien moins de bruit. Dans mon cas, j'en ai pas, mais si vous avez déjà des touches et des switches à disposition, ça sera bien plus simple et ça vous coûtera pas plus cher. Pour la partie RGB, on peut utiliser des touches de fonction pour changer la façon dont il s'allume avec FN insert ou FN plus home ou encore FN plus les flèches pour changer les couleurs ou la façon dont les LED clignotent ou encore leur intensité si on veut l'éteindre complètement. Ce clavier existe en deux modèles, le modèle mécanique que j'ai ici avec 71 touches et un second avec 98 touches mais cette fois non mécanique qui fera moins de bruit au passage mais qui ne pourra pas être modifié et restera donc en QWERTY. Alors à quoi ça nous sert ce clavier écran? Une fois branché à un ordinateur, il n'y a pas besoin de logiciel particulier, c'est vraiment détecté comme un écran externe tout simplement et les deux ports USB du clavier peuvent servir comme une sorte de hub pour y brancher des clés USB ou des autres accessoires. Dans les paramètres d'affichage, on peut le faire glisser pour arriver sous l'écran principal que vous utilisez habituellement, histoire que ça soit fluide lors des passages des applications de l'un à l'autre. Donc maintenant qu'on a ça, bah ça peut servir à plusieurs choses. On va pouvoir faire glisser différentes fenêtres dans cette partie-là, différentes applications, et les resizer par rapport à la taille de l'écran. La première chose, ça pourrait être par exemple d'avoir des contrôles pour tout ce qui est audio, podcast. On peut simplement venir appuyer dessus pour allumer ou mettre en pause de façon plus fluide que de devoir aller chercher la fenêtre qui serait peut-être en arrière-plan ou si on n'a pas de raccourci sur son clavier. Un autre cas intéressant, c'est que souvent, moi, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde pas forcément attentivement cette vidéo en particulier, je reste pas forcément bloqué dessus, je la mets plutôt en tâche de fond, je la mets derrière d'autres fenêtres pendant que je fais quelque chose et puis ça me sert un petit peu de podcast ou de musique en fonction de ce qu'il y a
là sur la vidéo et je regarde éventuellement de temps en temps s'il y a quelque chose. Ici, en mettant cette vidéo sur ce petit clavier, bah, ça permet de regarder la personne qui est en train de parler dans cette vidéo, voir les petites images d'illustration facilement, sans pour autant prendre une fenêtre entière ou aller la cacher derrière une autre et venir la revoir à chaque fois que quelque chose d'intéressant est dit. Donc là, c'est aussi pratique parce que du coup, bah, cette petite fenêtre suffit hein, pour la plupart des vidéos sur YouTube. Il n'y a pas forcément besoin de tout voir. Même là, ce que je suis en train de vous montrer, à part les images d'illustration, bah, ça suffit de les voir sur un petit écran. Donc là, ça peut être aussi intéressant et bah, finalement, ça permet d'avoir un écran supplémentaire. Alors on pourrait, pourquoi pas, mettre un troisième écran, mais on n'a pas forcément la place pour ça. Et comme je vous le disais, pour contrôler de l'audio, pour contrôler ses vidéos YouTube ou sa playlist ou n'importe quoi, on n'a pas vraiment besoin d'un grand écran pour faire ça. Ce petit écran suffit largement. On pourrait aussi, pourquoi pas, l'utiliser dans le cadre de streaming, tout simplement pour avoir un chat à disposition. Alors là, ça serait peut-être un petit peu petit si vous voulez lire le chat pendant que vous jouez ou quelque chose comme ça. Ici, on pourrait le mettre, mais effectivement, ce serait plus pour répondre que pour vraiment lire dedans, je pense. Ça pourrait être aussi intéressant d'avoir différents contrôles pour son flux vidéo, un petit peu comme un Stream Deck finalement. On l'aurait ici, puis on a juste à appuyer pour lancer des scènes ou ce genre de choses. Et encore une fois, bah, ça évite d'avoir ça en plus sur le bureau avec un appareil supplémentaire. Alors, on peut jouer à des petits jeux dessus. Bon, c'est un écran, hein, tout simplement, donc on peut jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quel écran. Je vois pas trop la plus-value que ça peut apporter de jouer sur un écran si petit, mais c'est possible, vu qu'ils le mettaient en avant sur leur site, mais pour moi ça sert un petit peu à rien, c'est pas fait pour ça à mon avis, mais c'est possible de mettre un petit peu n'importe quoi, n'importe quelle fenêtre, n'importe quelle application sur cet écran de toute façon. Alors on pourrait aussi, pourquoi pas, mettre des logiciels d'édition vidéo, vous savez souvent il y a des timelines, il y a certains ordinateurs portables, je crois chez Asus, qui permettait d'avoir ça dans un petit écran au-dessus du clavier. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant sur ce clavier-là, parce que comme je vous le disais, le tactile fonctionne bien, mais il n'est pas non plus hyper précis. Donc si on doit bouger à chaque fois, personnellement, je pense pas que ça soit le plus intéressant, mais c'est faisable de, pourquoi pas, dans Premiere Pro, faire passer la partie timeline directement dans cet écran pour l'avoir à ce niveau-là. Une autre fonction intéressante, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser avec un smartphone. Donc si ce smartphone a une sortie vidéo, par exemple chez Samsung ou Huawei, il le propose. J'ai pu vous le montrer directement ici avec mon Huawei. Et donc ça fonctionne très bien parce que l'écran sur le Huawei va bien prendre toute la taille. Et on pourra, par exemple, l'emmener avec soi pour, je ne sais pas, si on a ce clavier qu'on veut brancher son smartphone pour écrire des emails ou quelque chose comme ça. Avoir le clavier est quand même plus agréable que le clavier virtuel du smartphone. Bien entendu, vu la taille du clavier écran, on va peut-être pas emmener ça en transport avec soi, je sais pas, au cas où, ou en déplacement, ce sera plutôt à la maison. Bah, si vous n'avez pas d'ordinateur, ça peut remplacer un ordinateur, parce que bah, comme je vous le disais, pour écrire des mails, on n'a pas besoin d'un écran énorme, pour faire des petites recherches, des choses comme ça aussi. Ça peut donc être une idée d'utilisation si on a un smartphone qui nous permet d'avoir ces options-là. Comme je vous le disais, on a aussi un stand qui va permettre de l'orienter un petit peu plus haut en fonction de ce qu'on veut faire. Ça permet de mieux voir l'écran, mais c'est moins confortable pour écrire du texte dessus. On pourra peut-être plutôt l'utiliser pour un ordinateur portable, cette stand, que pour le clavier en lui-même. Pour le prix, il est vendu à environ 320$ en fonction de si vous prenez ou pas la version mécanique et en fonction de si vous prenez ou pas le stand. Alors c'est un certain prix pour un clavier, c'est sûr qu'il n'est pas indispensable, mais effectivement ça apporte un plus, comme je vous le disais, pour pouvoir contrôler sa musique, mettre une vidéo YouTube en fond quand on utilise les autres écrans, et je pense que pour du streaming, bah, ça peut aussi être intéressant, comme je vous l'ai dit, d'avoir une fenêtre de chat à cet endroit ou différents contrôles à la place d'un Stream Deck. Personnellement, si je devais l'utiliser au quotidien, je remplacerais quand même les touches pour faire moins de bruit et changer la disposition des touches. En tout cas, j'étais content de tester ce produit qui sort de l'ordinaire, et dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez à d'autres utilisations qui pourraient le rendre utile dans les commentaires, et on se voit dans la prochaine vidéo.